à tous, c'est Nicolas Roman du site guitarspin99.com. Bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à la chanson Sweet Home Chicago des Blues Brothers. Alors ce solo va être un petit peu l'occasion d'expérimenter différentes pistes de gamme pour jouer sur une grille d'un solo blues en mi. Alors vous êtes nombreux à avoir apprécié ma cover et la première leçon que j'ai faite sur ce morceau. Vous m'avez laissé pas mal de commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur mon site, vraiment très sympa. Alors si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à cliquer sur le lien YouTube qui est là-haut, de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu ma cover de ce morceau. Et vous allez également pouvoir par ce biais télécharger la tablature que je mets à dispo sur mon site. Donc 2 pages, hein, c'est pas rien. Et l'avantage c'est que j'ai mis également les différentes gammes au-dessus que j'utilise. Donc comme vous avez pu voir sur ma cover, j'utilise pas uniquement la gamme pentatonique de mi mineur. Je passe un petit peu par d'autres petites choses bien sympas. Eh bien écoutez, je ne m'attarde pas plus longtemps, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, c'est parti. Alors je vais commencer avec la première phrase, donc la première mesure. C'est la même position que je vais en fait placer, donc case 12, je vais slide en 13. Ouais, j'ai l'index qui vient jouer sur ma corde de mi, ma corde de si. Ensuite, c'est la même chose après que je décale de la case 9, slide en 11. En fait, d'accord, case 12, corde de ré, corde à vide. Pour ensuite décaler l'accord, l'accord chromatiquement, 8, 6, 8, 7, 5, 7. Pour ensuite terminer avec la position en 6, en 4, en 5, d'accord. Alors habituez-vous bien à passer cet enchaînement-là, qui n'est pas forcément pas si facile que ça à faire. Allez. Et l'accord, je le fais avec des couverts le bas, et les cordes à vide qui vont venir alterner, je fais ça avec un combinateur vers le haut. Je fais bas, haut, bas, et ensuite je termine avec un slide, corde de ré. De 5 en 6. Donc je refais toutes ces premières phrases. Je termine avec un accord de mi 7e, enrichi avec une 9e, auquel j'ajoute encore une note sur la case 9 de l'accord de mi aigu. Allez, je refais tout. Première phrase. La suivante. Donc là, case 9 sur l'accord de sol, 9, 8. Je vais venir slider jusqu'à la case 12. Un petit bend sur l'accord de si, case 8. Je décale ensuite chromatiquement, 9, 8, 7. Ensuite, là, je suis arrivé sur la mesure 5. Donc j'ai noté qu'en termes de grille, on arrive sur l'accord de la 7e. Donc là, je suis sur la pentatonique de mi mineur. C'est ce que j'ai indiqué sur la partition. Donc là, je commence avec un bend sur l'accord de si. Donc alors, je rappelle, hein, pentatonique mineur à la position classique, hein, là-dessus. Vous la connaissez tous quand même depuis le temps. Alors ce genre de plan très classique, le fait de faire un bend, relâcher le bend, enchaîner ça ensuite avec un pull-off, bend de un ton, je relâche le bend, je fais un pull-off ensuite sur ma corde de si, case 12. Je remplace à nouveau un bend sur la case 14, corde de sol. Ensuite le bend. Je fais ensuite sur la case 14. Case 14, corde si, pull off. Je barre pour faire les 14-14 ici, je fais ça avec l'annulaire. Là ce que j'ai noté, donc on arrive sur la mesure 7, on revient à nouveau sur la corde mi 7e. Donc là je reprends du coup, je me place sur la pentatonique de mi majeur cette fois-ci. Parce qu'on a la pentatonique mineure qui est ici, pentatonique majeure. Allez, je refais mineur, majeur. Donc je refais donc tout cet enchaînement là. D'accord. Ensuite, mesure 8. Là j'ai noté mi mineur blues. Donc je rappelle la gamme mineur blues. La position la plus connue, on va dire. Bon, je démarre. Je vais faire juste d'une note en plus ici. Le passage chromatique qu'on a ici, dans la gamme blues, je fais exactement le même sur la corde de ré. Donc du coup, ma phrase, ça fera... Et je la termine avec un bend sur la case 14. Un bend de un ton, parce qu'au niveau de la grille, j'arrive sur la 9e mesure. On arrive sur la corde de 6/7e. En fait, j'ai marqué sur la partition tierce majeure. Je veux dire que, en fait, lorsque je bend ici, dans la case 14 pour avoir le son de la case 16, on fait sonner la tierce majeure de si. D'accord?
Donc du coup, je refais toute ma phrase. Tierce majeure de si. Je reviens à nouveau au pentatonique mineur de mi. D'accord. Ensuite, un petit passage chromatique. 7, 8, 9. Et je fais un plan que j'ai piqué à Steven Wong. Parce que je reviens sur le mi 7. Donc là, comment je place ça? Je viens installer directement avec le majeur de la case 2 à la case 4 sur la corde de sol. Les deux cordes aiguës. Pull-off case 3, corde de si. Bend sur sol. Pull-off. Là, on est sur la position du mi. Alors ensuite, le passage. Donc là, on a joué toute la première grille. La seconde grille, donc, elle va commencer par un plan. Donc j'ai noté là sur en bas de la première page de ma tablature. Donc mi mixolydien. Je rappelle ce que c'est que donc la gamme de mi mixolydien. On peut prendre une position ici. Je rappelle que le mode mixolydien, c'est le cinquième mode de la gamme majeure. Vous avez toute l'explication qu'il faut sur mon site hein, concernant la gamme majeure. J'ai fait une page complète où je parle des modes. Alors mixolydien, parce qu'il est très intéressant, parce que vous voyez que si je joue un accord d'une position mi-septième basique, on voit que la position de l'accord elle est entièrement comprise dans la gamme. D'accord. Alors, ce plan en fait, alors, lorsque je fais des plans comme ça aussi, alors, tout ça en fait, ce que je fais, vous voyez que techniquement, les notes que je joue sur la corde de ré, je les fais avec des coups de maton vers le bas, et toutes les notes qui sont jouées sur la corde de si, je prends ça, techniquement, je fais ça avec le majeur de la corde, enfin, le majeur de la main droite, vous voyez, médiateur sur la corde de ré, et le majeur sur la corde de si. Ça me permet de pouvoir jouer donc des cordes distantes. Donc alors, cette phrase-là, comment est-ce qu'elle sonne du coup? Donc, je commence ici, je décale. Vous voyez? Jusqu'à la corde évidemment. Vous voyez que, apparemment, ce que je fais dans ma montée, je fais juste un petit passage chromatique. C'est vrai que lorsqu'on a ce passage, ça va de 7 en 9, on peut passer chromatiquement. Chromatiquement, ça veut dire qu'on va relier nos deux cases par la case du milieu. Et ça sonne très 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 sympa. Je peux même le faire ici. D'accord. Donc alors, cette fameuse phrase donc, qui commence sur la mesure 11, qui donc je l'enchaîne. Je redescends. Ici, je vais venir slider, donc là, je suis sur la mesure 14. Je remonte. Là, je suis à la fin de la mesure 15. Pour ensuite slider. Et lorsque je slide ici en 12, je reviens en fait sur la pentatonique de mi mineur. Je rappelle. D'accord. Pour ensuite enchaîner, donc là on arrive au niveau de l'accord, on est sur le La 7ème dans la grille. Donc petit plan classique de mi mineur penta. Donc pour enchaîner ça, vous voyez que qu'est-ce que j'ai fait? Mon petit doigt sur l'accord de mi aigu à case 15, annulaire à case 14. Je barre avec l'index. Plan super classique que je répète de tout de suite. Le bend sur la corde sol, case 14. On barre sur les deux cordes aiguës avec l'index. Pull de 14 à 12 sur la corde sol. Je fais pareil. Pour ensuite. Lorsque je vais ici sur la case 13, je fais sonner la tierce majeure, c'est ce que j'ai indiqué sur la feuille, je suis sur la mesure 19. Et je reprends toute cette phrase doucement. À nouveau le bend. Ensuite, alors. Donc là, je reprends à nouveau sur ma gamme pentatonique de mi majeur. Pourquoi majeur? Parce que vous voyez que je fais sonner cette note-là. D'accord. En fait, vous voyez la ruse pour passer de
de mineur à majeur, l'astuce c'est simple en fait. Il suffit que vous preniez la position que vous connaissez. Là, je suis en mi mineur. Vous faites exactement la même position décalée de 3 cases. Là, vous êtes en majeur. En commençant bien sûr par la note mi. Note mi, là, pareil. Là, je vous ai déjà parlé un petit peu de cette astuce-là. Là, je refais sonner donc cette phrase. Ensuite, lorsque j'arrive ici, j'arrive sur la mesure 22, donc dernière ligne de la page, on arrive sur la septième. Là, j'ai mis en fait la mixolydien. Parce que de toute façon, là, vous voyez que là, je fais vraiment sonner l'accord. L'accord de la septième, donc je rejoue cette phrase-là. D'accord, 9, 12, 9. Parce que j'arrive ici en 11. À nouveau, hybrid picking. Pour revenir à nouveau sur le mi-mixolydien de tout à l'heure. Voilà. Donc la dernière phrase qui démarre à la mesure 23, donc qui va sonner. Enfin, sympathique, vous voyez que alors, je commence en mi mineur blues. D'accord. Tout ça mi mineur blues. Et dès que j'arrive ici, dès que je vais venir switcher, je vais venir switcher en majeur lorsque je fais mon slide sur la case 11 de l'accord de ré. Je vous rejoue cette dernière phrase. Doucement. C'est le genre de phrase que j'aime bien puisque on va commencer mineur pour passer ensuite en majeur. On termine sur la case 12, la fondamentale du mi. Bien, bah écoutez, voilà qui termine cette petite série de cours concernant Sweet Home Chicago des Blues Brothers. Bah écoutez, bah je vous souhaite un bon mois d'août en espérant qu'il soit un petit peu meilleur au niveau temps que le mois de juillet parce que c'est vrai que c'était pas terrible. Donc pour ceux qui partent au mois d'août, bah je vous souhaite le soleil pour que vous puissiez bronzer un petit peu. Allez, bossez bien, à bientôt, bye bye.